Bienvenue dans la maison des enfants choisis. Je suis dans la joie de me tenir aujourd'hui devant vous. À vous qui nous suivez pour la première fois, soyez les bienvenus. Les amis de Jésus, les disciples, les ambassadeurs, les missionnaires, maman, papa, bonjour où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, nous avons plein de surprises pour vous. Mais avant d'aller plus loin, nous allons faire une chose. Vous savez c'est quoi? La prière. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons fermer les yeux, croiser les bras et baisser la tête. Lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras, on baisse la tête. Donc, prions pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Merci pour ma vie, merci pour la vie de mon ami qui me suit depuis chez lui. Nous te bénissons pour ces moments et nous recommandons toute chose qui va se faire entre tes mains. Viens et guide-nous au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Là où tu te trouves, si tu es dans la joie, tu vas faire un gros bravo super pour toi. On y va. Non, vous êtes génial. Alors, au programme, nous aurons donc le sketch qui sera présenté par les tatas et les tontons. Et ensuite, il y aura la leçon qui sera présentée par un super tonton. Vous connaissez son nom? Il s'appelle Tonton Bouche Bée. Et après, il y aura un verset à mémoriser. Et ce verset sera présenté par Tata Savio. Et à la fin, vous savez qu'est-ce que nous allons faire? Oh là là! Nous allons danser, chanter pour la gloire de notre Dieu. Donc, je vous dis à tout de suite. Surtout, on s'assoit, on prend bien position. Alors les enfants, la vie chrétienne est le combat, est un combat. Donc, il n'y a pas enfant, il n'y a pas jeune, il n'y a pas vieux. Tout le monde doit faire grand combat. C'est-à-dire, on va se tenir debout, on va chanter la chanson de combattant. Ok, DJ Music. Mes amis, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat. Papa, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mais papa, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mais papa, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat. Mais papa, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat. Maman, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mais maman, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat. Mais maman, réveillez-vous, Jésus est devant pour le combat. Mes
amis, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mes amis, réveillez-vous, car il est temps pour le combat. Mes amis. Alors les enfants, comment vous allez? Ok, donc comme vous venez de voir, de suivre le sketch, cet enfant qui a désobéi sa maman, il a eu des problèmes. Alors il ne pouvait pas se lever parce qu'il a désobéi sa maman. Mais qu'est-ce que cette histoire nous apporte maintenant aujourd'hui? Alors, cela nous amène dans cette histoire, dans une histoire biblique. C'est-à-dire Abraham et son neveu Lot. Oui, Abraham, l'homme de Dieu. Abraham travaillait toujours avec Dieu. Abraham était serviteur de Dieu. Mais lui,
Il avait son neveu qui s'appelait Lot. Oui, Abraham et Lot faisaient tout ensemble. Ils avaient des animaux, ils voyageaient ensemble, il n'y avait pas de problème. Mais un jour, Abraham s'est tenu debout, il a appelé son neveu. Il dit, mon neveu Lot. Ah, Lot dit, oui, tonton Abraham, il y a quoi encore? Il dit, viens ici, j'ai quelque chose aujourd'hui à te communiquer. Ah, Lot est venu, il a écouté son oncle Abraham. Abraham lui dit, ah, maintenant, comme tu as beaucoup d'animaux et des serviteurs, moi aussi, j'ai des animaux avec les serviteurs. Il est temps qu'on se sépare pour ne pas à la longue, dans l'avenir, qu'on a des problèmes. Ah, Lot a dit, ah, mais mon oncle, ok, il n'y a pas de problème. Alors, son oncle lui dit, maintenant, tu vas regarder autour de toi l'espace, la nature. Tu choisis un côté et le reste, je vais prendre. Ha! Lot a fait quoi? Lot a regardé la nature autour de lui. Il a regardé un côté où il y avait la verdure, c'est-à-dire les herbes vertes. Waouh! Avec des rivières, des marécages, c'est-à-dire beaucoup d'eau. Ah! Il s'est tourné vers son oncle Abraham et il dit, tonton, je choisis ce côté-là. Ah, tonton a dit, non, il n'y a pas de problème. Attends, vas-y, prends. C'est à ce moment, Lot a pris ses animaux, ses serviteurs, ses deux filles et sa femme. Ils sont partis dans le pâturage-là. Alors, là-bas, il y avait une ville qui s'appelait Sodome. Bon, Abraham aussi, il a pris ses animaux. Ils sont partis dans le désert. Dans le désert, il y avait le vent avec beaucoup de poussière, le vent chaud. Ah, ce n'était pas facile, mais c'est une autre histoire après. Alors, Lot était dans cette ville qu'on appelait, très bien, Sodome. Alors, comment étaient les gens de Sodome? Ils avaient une mauvaise vie. Les enfants désobéissaient leurs parents. Les parents frappaient, volaient, insultaient n'importe comment là-bas. Et Dieu était très, 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 très fâché. Dieu dit, il faut que je détruise cette ville-là. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu envoie des anges. Et quand il envoie les anges, c'était pour quoi? Pour sauver, alors, Lot et sa famille. Mais Lot avait un problème, oui. Son problème, c'était quoi? Son problème, c'était son voisinage, comme je viens de dire. Il avait des problèmes avec son voisinage. Waouh! Parce que Lot et sa famille seulement étaient correct dans cette ville. Tout le reste. À ce moment-là, oui, c'est vrai. Lot avait ce problème avec son voisinage. Mais mon enfant, toi aussi, tu as un problème dans ta vie. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce que nous pensons, nous disons, nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire qui ne plaît pas à Dieu? Je donne un exemple. C'est-à-dire voler. Voilà. Et quoi encore, toi qui me regardes là? Mentir, très bien. Frapper, désobéir maman. Ça ne plaît pas à Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés et sont séparés de Dieu. Tout le monde a péché, tout le monde est séparé de Dieu. Oui, toi aussi. Tu as un problème, tu as un péché. Alors, de la même manière que toi, tu as ce problème, avait un problème avec son voisinage. Ah! Mais là, Dieu va faire comment? Dieu envoie des anges pour sauver qui? Lot et sa famille. Ah, les anges sont venus dire, maintenant, Lot, vous allez vous tenir debout, vous allez fuir d'ici, vous allez partir d'ici. C'est frappé. Lot a obéi avec sa famille. Ils ont commencé à partir, à courir, à partir en vitesse. Mais qui est ce Dieu-là qui a aimé Lot? Dieu a aimé Lot parce qu'il ne voulait pas frapper la ville avec Lot et sa famille. Ça, c'est de l'amour. De la même manière que Dieu a aimé Lot et sa famille, toi aussi, mon enfant, quelqu'un t'aime, c'est qui? Waouh, c'est Dieu. Dieu t'aime, oui. La parole de Dieu dit quoi? Dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Waouh, le monde, là, c'est qui? Mais c'est toi, moi et l'autre.
Dieu c'est qui? Dieu c'est le créateur. Il a créé quoi? Le, la terre, les montagnes, les animaux, quoi? Encore? Waouh, les arbres. Très bien. Mais Dieu là, il est saint. De la même manière que Dieu t'aime là, c'est comme ça qu'il a aimé Lot et sa famille. Alors ils ont commencé à partir, à marcher, à courir, à courir. Mais les anges disent que personne ne regarde derrière lui. Ah, hey, avec le beaucoup de bruit derrière, parce que Dieu avait commencé à frapper la ville là, avec des boules de feu, la pluie de feu, beaucoup de bruit. Alors, la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pu supporter le bruit derrière. Elle était curieuse. Elle s'est arrêtée pendant que Lot avançait avec ses deux filles. Elle a fait quoi? Elle a regardé derrière. Et quand elle a regardé derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est restée statue. Statue de sel. Waouh! Elle est restée là-bas. Et Lot et ses deux filles ont commencé à courir. Alors, Dieu les a donné une nouvelle ville. Waouh! Mais toi, mon enfant qui me regarde là, qui a déjà accepté Jésus dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Waouh! Dans les moments difficiles, il faut juste obéir à la parole de Dieu. Mais toi aussi, mon enfant qui ne connaît pas encore Christ, qui n'a pas encore accepté Jésus dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre une décision pour accepter le Christ dans ta vie, pour ne pas être comme cette femme-là qui était restée comme ça en statue de sel. C'est pas bon dit. Tu dois accepter. Alors, ils ont continué à courir. Dieu les a donné une nouvelle ville. Waouh, c'était magnifique. Alors, Dieu les a donné cette nouvelle ville pour qu'ils puissent vivre là-bas. Lot et ses deux filles ont continué. Donc, mais qui est celui-là qui secourt son fidèle? Qui secourt son enfant? Mais c'est Dieu. Waouh. La parole de Dieu dit, il a donné son fils unique. Toi qui ne connais pas encore le Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut accepter Jésus dans ta vie et que pour ne pas être comme cette femme-là. Veux-tu accepter maintenant dans ta vie Jésus-Christ? Donc là où tu es, baisse la tête, ferme les yeux, on va prier. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait qui ne te plaît pas. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup et je te conseille, si tu ne partais pas à l'école de dimanche, de continuer de partir avec tes amis à l'école de dimanche. Merci. Ok les enfants, nous allons écouter les amis de la classe des missionnaires, des ambassadeurs sur deux questions. La première, que peut représenter la ville de Sodome dans la vie d'un adolescent? La seconde, comment peux-tu aider les camarades à sortir des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Bonjour chers parents, chers amis. Je me présente le frère Jean-Bernard Mutsumu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur notre chaîne à nous les enfants, MDEC, la maison des enfants choisis, pour débattre sur une nouvelle thématique. Et aujourd'hui, je vais vous aider à répondre à deux questions. Premièrement, que peut représenter la vie de Sodome et Gomorre dans la vie d'un adolescent? Deuxièmement, en tant qu'adolescent, comment peux-tu conseiller ton ami à sortir de ces mauvaises choses? Je commence avec la première question. D'abord, dans l'histoire de Sodome et Gomorre, nous remarquons que les habitants de cette ville ne pratiquaient pas les choses d'un chrétien, c'est-à-dire la prière, la méditation, les cultes d'action de grâce, l'obéissance, la prise au sérieux des choses de Dieu. Non, ils ne le faisaient pas. Ce qui explique pourquoi ils vivaient dans une vie de péché, de débauche, de manque, de prise au sérieux des choses de Dieu, et j'en passe. Selon moi, elle peut représenter dans la vie d'un adolescent un manque de prière, de méditation, de consécration pour les choses de Dieu, de prise au sérieux pour les choses de Dieu, et j'en passe. Deuxième question. En tant qu'adolescent, comment peux-tu conseiller ton ami à sortir de ces mauvaises choses? En tant qu'adolescent, je commencerai d'abord par évangéliser mon ami qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas l'Église, et ensuite je vais l'exhorter sur les bases qui vont lui permettre de parcourir sa vie chrétienne. Et enfin, je vais l'aider à prier pour inviter Dieu dans sa vie, pour inviter Dieu à l'aider à obéir,
pour lui donner la force de fuir la tentation. Et j'en passe. Alors j'aimerais que tous ensemble, nous baissions la tête et nous croisions nos bras pour que je vous aide dans la prière, afin que Dieu nous aide tous à pouvoir fuir le péché et ces mauvaises choses. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je te recommande mon ami, mon frère, ma sœur, qui se trouve chez lui, confiné. Je prie afin que, Seigneur, que si depuis un certain temps il ne te glorifie plus, que tu rétablisses sa vie avec toi, que tu recommences à zéro avec lui, que tu l'aides, Seigneur, à t'aimer, à te servir au nom de Jésus. Et que quiconque essayera de le ramener dans ces mauvaises choses te rencontrera sur son chemin. C'est dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Et nous disons tous Amen trois fois. Amen, Amen et Amen. Je vous remercie. Bonjour les amis, je suis Anaïs. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et sur ce thème, je vais répondre à deux questions. La première question, qu'est-ce que la ville de Sodome et Gomorrhe représente dans la vie d'un adolescent? Mais d'abord, parlons de la ville de Sodome et Gomorrhe. La ville de Sodome et Gomorrhe est une ville dont les habitants vivaient dans le péché. C'est-à-dire, ils vivaient dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, et ils avaient même des pratiques contre nature. Et pour répondre à la question, la ville de Sodome et Gomorrhe est, dans la vie d'un adolescent, représente le péché, c'est-à-dire le mensonge, la tricherie, le vol, l'excès de table et la rébellion. La deuxième question est, moi, en tant qu'adolescente, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes amis à sortir de ces pratiques? Référons-nous d'abord à la Bible. Romains 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est-à-dire que nous ne devons pas suivre nos amis dans leurs mauvaises choses. Dans ce siècle, c'est-à-dire maintenant, les jeunes d'aujourd'hui nous poussent à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc, nous ne devons pas les suivre, mais nous devons leur prêcher la parole afin qu'ils puissent connaître Dieu comme nous le connaissons. Nous devons aussi les influencer avec notre comportement, les influencer pour qu'ils puissent laisser ces choses et les aider dans la prière afin qu'ils puissent complètement abandonner et se donner entièrement à Dieu. Matthieu 11, verset 24 nous dit, « C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » C'est-à-dire, si nous demeurons dans notre mauvaise action, si nous demeurons dans nos péchés, nous serons traités plus rigoureusement que la ville de Sodome et Gomorrhe. Amen. Donc, les amis, je vous invite à prier avec moi. Fermons nos yeux, croisons nos bras et prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci pour ces moments que tu as permis que nous puissions passer en ta présence. Père, je veux te dire merci pour cette parole aussi que tu as mis en nos cœurs. Permets que nous ne nous comportions pas comme la ville de Sodome et Gomorrhe, mais que nous ayons un comportement qui te plaît. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Fils de Jésus, disciples, missionnaires, ambassadeurs, chers parents, bonsoir. Je suis Tata Sabio, je vais vous entretenir sur le verset à mémoriser. Mais avant de passer au verset à mémoriser, nous allons revenir sur un tout petit mot, sur le mot l'obéissance. Antoine Bouchon nous a parlé de l'obéissance. Je sais que là où tu es assis, en ce moment, je te pose une question de savoir, est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois obéir en toutes choses? Pour avoir la réponse à ta question, nous irons la chercher dans la Bible. Elle se trouve au niveau de Colossiens 3, verset 20. Ouvrons tous nos Bibles et lisons. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Waouh! Nous avons trouvé la réponse à ta question. Maintenant, ce que toi tu dois retenir, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois obéir en toutes choses. C'est pas que maman te demande de faire la vaisselle, de faire la serpillière. Tu dis non, je fais juste la vaisselle, je ne fais pas la serpillière.
n'est pas ça obéir en toutes choses. Tu dois faire les deux à la fois. C'est-à-dire, après faire la vaisselle, tu fais la serpillère. Maintenant, nous allons mémoriser le verset. On ouvre encore nos Bibles et après on va fermer nos Bibles. Lisons. Enfants, obéissez en toutes choses. Répétez. À vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Waouh, merci. Mais avant de nous quitter, nous allons faire un tout petit exercice. Regarde un peu comment tu es vêtue. Moi, je suis habillée en blanc et en noir. Maintenant, pour tous nos amis qui ont des vêtements bleus ou blancs, on va danser dans le verset. Pour nos amis qui sont habillés en jaune ou en noir, on va sourire en répétant le verset. Et pour nos amis qui sont habillés en rouge ou en rose, on va sauter en répétant le verset. Et pour nos amis qui sont habillés en gris ou avec beaucoup de couleurs sur leurs habits, on va tourner en répétant le verset. C'est parti. Pour nos amis qui sont habillés en bleu ou en blanc, on va répéter. Enfants, obéissez en toutes choses. On répète. Enfants, obéissez en toutes choses. À vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Waouh, merci. Maintenant que nos amis sont habillés en jaune ou en noir, on va un peu sourire en répétant le verset. Allez, on répète. Enfants, obéissez en toutes choses. À vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Waouh, merci. Maintenant que nos amis sont habillés en rouge ou en rose, on va un peu sauter en répétant le verset. On commence. Enfants, obéissez en toutes choses. À vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Waouh! Maintenant que nos amis sont habillés en gris ou avec beaucoup de couleurs, on va répéter le verset en tournant. On commence. Enfants, obéissez en toutes choses. À vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Ah, merci, vous êtes super. On va faire un gros aïa pour vous. On se dit à bientôt, à la prochaine. Encore, les enfants, nous sommes là. Je suis tonton, j'ai oublié mon nom. Ibrahima. Non, les enfants, aidez-moi à me rappeler mon nom là, tonton. Bon, ça va venir après. Mais aujourd'hui, nous allons définir position. Quand on dit tout le monde en position, aïe aïe aïe, position, mais ça veut dire quoi? On danse, mais la signification, ça veut dire des bonnes positions pour Dieu. C'est-à-dire des bonnes actions. C'est quoi ces bonnes actions? C'est-à-dire, avant de dormir, qu'est-ce qu'on doit faire? On prie. Le matin, coucou, coucou, on se réveille. On prie, ce sont des bonnes actions. Ton ami te dit, on va voler la mangue. Tu dis, moi je suis enfant de Dieu, je ne dois pas voler la mangue parce que je suis un enfant de Dieu. Ce sont des bonnes actions. Donc, des bonnes positions, on va se tenir debout, on va danser les bonnes positions. Musique, DJ. Hey, les enfants imitateurs, imitez le roi David. Dakar Abidjan, on écrit à ma corps en position. Tout le monde en position. Aïe, 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 position. Tout le monde en position. Aïe, 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 position. Je vais prendre une position. Aïe, vous allez tous aïe, m'imiter. Aïe, aïe, aïe. Imiter. Aïe, aïe, aïe. Imiter. Aïe, aïe, aïe. Imiter. Aïe, 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 position. Stop. Tout le monde en position. Tout le monde en position. Tout le monde en position.
tous m'imiter. Je me rappelle maintenant mon nom, c'est tonton Bouche B. Merci beaucoup. Avec tonton Joël, n'est-ce pas? Merci. Aïe, 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 c'est super. Waouh! J'espère que vous avez aimé, car moi j'ai aimé, j'ai dansé, dansé, dansé. Et n'oubliez pas l'exercice que tonton Bouche B vous a donné. Donc, la prochaine fois, nous aurons certaines réponses de nos amis. Non, comme nous avons commencé par la prière, nous allons aussi terminer par la prière. Là où tu te trouves, tu vas fermer tes yeux, croiser tes bras et baisser ta tête. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que tu as rendus possibles. Merci pour ce que tu nous as appris. Et nous te prions de faire de nous des enfants obéissants, obéissants à papa, à maman et à toute autorité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bye bye.